Merci, Monsieur le Vice-président. La multiplication des actes de délinquance partout sur notre territoire mérite une réponse à la hauteur du défi posé par ce phénomène. Les délinquants se fichent pas mal d'être sensibilisés par une gauche s'apitoyant en toutes circonstances sur le sort de ces pauvres petites victimes d'un soi-disant racisme galopant, du chômage de masse et de la difficile enfance qu'ils ont dû affronter. La baisse drastique des effectifs de police et de gendarmes, dont le bilan est à partager tant par le gouvernement Sarkozy que Hollande, est une réalité à laquelle la vidéosurveillance est l'un des leviers évidents pour lutter contre la délinquance. En cette période de menaces permanentes, l'utilité de ces dispositifs n'est plus à prouver, notamment dans la lutte antiterroriste. Et ce n'est pas à coup de remontrances, d'apitoiement, d'amour de son prochain, de chansons, que l'on tentera de lutter contre le terrorisme et la délinquance endémique. Le groupe Front National votera donc contre cet amendement. Très bien, merci.